Ah parfait, l'écran noir. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Là, vous vous dites, mais il a fait. Il a lancé la musique en même temps, c'est pas possible. Non ! C'est la musique dans l'installation du jeu ! Mais vous alors, qui êtes-vous ? Jacouille la tripouille, vous me reconnaissez quoi ? Jacouille, esponge ! Ok ! La musique vient du jeu, incroyable, oui. C'est ça le pire. Mais comme dirait JDG, ça ne risque rien, on ne risque aucun copyright sur cette musique ! Et bien sûr. Oh putain, ça a l'air incroyable. Fun. Des monts Mirail court grand péril. Lilith, la petite fillotte de la sorcière Malcombe, a semé zizanie dans les couloirs du temps, en éparpillant dans les antres du château nombre d'objets de notre époque. Incroyable. Record absolu de froid sur la France entière. Alors que sur les plages, les estivants attendent un 20 rayons de soleil en moon boots et en doudoune. En moon boots. Les militants défilent dans la rue au cri de gel des récoltes en pleine saison. Gouvernement démission. Bon mage, tu nous accordes audience, reçois ma gratitude. Ne t'inquiète pas, Godefroy, je connais ton malheur. La petite fille de la sorcière Malcombe a jeté une malédiction sur ton château. Ça n'est point moi, messie. Ton château, récupérez les objets du XXe siècle et retrouve les 5 pièces de la relique de Sainte Roland. Que nenni, mage. Encore ? Mon fief est sous quarantaine et ces maraudes inquisiteurs veulent me soumettre à la questionnette. Envoie alors ton fidèle servant. Mage, mon escuyer, menteur comme un arrachoir de chicot. Oh, messire, mille fois merci, vous êtes vraiment trop bon. Mortecouille, c'est toi, mon petit fillot, qui sauvera les monts Mirail de cette calamitas. J'ai besoin de tes offices. Tu dois ramener dans ta besace tous les objets de ton siècle cachés dans mon humble demeure. Ok! Au secours. Et surtout, ramenoir chaque partie de la relique de Saint-Roland. Dusses-tu aller la chercher jusqu'aux portes de l'enfer? Cette relique est de toute valeur. Elle donne bonne fortune et fécondité pour mes épousailles avec Frédégonde, ma douce. Voici la première des pièces à ramener, afin de reconstituer la relique dans son intégralité lors de tes 5 missions. Mais attends, je comprends pas là. Dans le château, retrouve l'ingrédient qui permettra ton retour parmi nous. Voici la liste des objets à ramener. Es-tu sûr d'être l'homme de la situation ? Nul doute, mon bon mage, nul doute. Tu ne seras point seul, mon fillot. Nous t'accompagnerons de tout cœur dans cette première épreuve. Tu ne crois pas si bien dire, Godefroy. Nous pourrons suivre ton petit fillot dans les couloirs du temps. Satanerie, la boîte à troubadour! Bonjour, petit fillot, précieux est le temps. Esponge cette potion et ne reviens qu'avec tous les objets dans ta besace. Mon fillot, pour assurer la lignée des monts Mirail, tu es ma seule espérance. J'ai foi en toi. Que tu trépasses. Mais c'est quoi ce menton qui bouge? Mais. Attends, quoi? Ah, c'est tout!
Donc, on est le petit-fils de Godefroy, c'est ça? On est le... Je suis perdu, là. Enfin, bref. Donc, du coup, on joue au Visiteur, le jeu point and click, sorti en 98. Et, alors, du coup, j'ai découvert à l'instant même que ça a été développé... Non, le studio, c'est Ubisoft, bien sûr. Sauf que derrière, c'est l'équipe qui a bossé sur le jeu. Attendez, quoi? Comment ça, c'est pas à jour le truc? Non, c'est ça, voilà. Éditeur Ubisoft, développeur Dark Horse. Donc, du coup, Dark Horse qui ont bossé sur Les Visiteurs, le jeu, celui qu'on est en train de jouer actuellement. Mais ils ont bossé aussi sur Alone in the Dark, The New Nightmare en 2001. En 2005, ils ont sorti Cold Fear, qui était un putain de bon jeu d'horreur sur un bateau, un peu à la Resident Evil, mais malheureusement, on ne trouvera pas son succès parce que c'est Resident Evil, et tout le monde a insulté au plagiat, alors que c'était, ben oui, voilà, quoi. C'est Ubisoft, hein, il ne faut pas leur vouloir. Après, en 2006, ils ont fait Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter sur PlayStation 2, bon, je n'en ai pas du tout qu'il existait un jeu comme ça. Et en 2012, I Am Alive, qui est un jeu qui était annoncé comme un triple A révolutionnaire, etc. C'est sorti comme un jeu bac à pourrible, j'allais dire bac à sable, mais non, pas du tout. Pourri en faux liberté de mouvement, c'est très très mauvais. Et je vois une liste interminable de projets annulés. Et du coup, Dark Horse a fermé ses portes en 2011. Je trouve ça assez étonnant quand même. Enfin bref, ce qui est bizarre, c'est que j'ai beau regarder leur fiche. Il n'y a pas Les Visiteurs dans l'affiche, c'est ça qui me fait peur en fait. Du coup, je me rends compte que sur le retour du stream, vous avez un bel écran. Moi, j'ai littéralement une boîte. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai entre les deux mains, c'est la taille de la fenêtre. C'est-à-dire que la fenêtre du jeu fait la taille de ma main, littéralement. J'ai envie de pleurer. Donc, waouh, secours! C'est en 3D! Enfin, en 3D, vous avez compris. C'est très grand. Ok. Oh, parle. Oula! D'accord, on peut zoomer pour. On peut revenir en arrière, d'accord. On n'a pas d'inventaire. J'ai pas vu si on avait un inventaire. Reviens en arrière, s'il te plaît. J'espère qu'on n'a pas d'inventaire. Non. F1, F2. Non, ça a l'air ok. Bien sûr, hein, il faut le préciser. Ce jeu est disponible, à ma grande surprise, sur abandonware.com, hein, bien sûr, les fameux. Qui je remercie. Par contre, il y a un truc qui passe là, c'est normal ça? Un truc qui passe au milieu de l'écran. Mais oui, je ne peux que remercier Abandonware de me donner la possibilité de jouer à ce magnifique jeu. Qui, lors de l'installation, on se tape la putain de musique de Christian Clavier. C'est incroyable. Je peux prendre une pomme? Non. Si. Deux pommes. Trois pommes. Un Babybel. Grabibel. Ok. Déclenchoir. Oh là là, au secours. Ok. Oh, s'il faut cliquer sur les éléments, etc., on n'est pas sorti. Hein. Non, c'est bon, je peux plus rien faire. Je ne pas quitter, j'ai toujours pas compris c'est quoi le scénario du jeu. On est le petit-fils de Godefroy, c'est ça? Et on doit retourner dans le temps pour récupérer des trucs. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, notre perso ne parle pas, je suis un peu déçu. De toute façon, la soirée c'était soit on joue à God... soit on joue aux visiteurs, soit on joue à X-Files, donc Sorcellerie, cette carcasse de gorée couinasse à la mort. Mais mais on joue son petit-fils ou Godefroy tout court? Waouh, au secours.
C'est quoi, si? Oh, la chevrette de Dame Pétroni et ses bons fromageons. Parlons-en, ces fromageons sont bien fadas. Mais par pitié, je vais juste augmenter le son. Est-ce qu'il y a un moyen de juste augmenter? Ah, ça marche même pas, ça. Ah si, attendez. Moi, je vais voir si je peux... La besace chargée, sauver la festoyade, boîte troubadour, joujoutée, désertée, la comprenette générale. Ça doit être les options. Optionnement. Oh là là. Rabâcher l'expliquement. Attaquer la festoyade. Hein? Assurément. Ok, que nenni. Optionnement. Dompter le ministrel. Mais non. Brailler, c'est quoi? Ménestrel, c'est la musique. Marmonner, bruire, beugler, brailler, s'égosiller. Dompter le mirette, limacer, lambiner, flâner, rapiber, galoper. On va dire que... Voilà, rapiber. Du coup, le ménestrel, c'est le son. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Optionnement. J'ai plus sur les crédits. Une production Gaumont Multimédia, producteur délégué, Marc Dupont-Avis. Bon. Record absolu de froid sur la France entière. Non mais arrêtez! Joujouté, Gueux Fighter 2, quoi? La Dragolan... Dragon... Attendez, je vais lire sur le retour. Casse-Boursette, le déballement, Feu Fighter, Visiteur, Invader, le Boulingue, Fripouille Memory, Donkey Ding. Oh! Ah, ça c'était la bonne époque! Ça c'était le vrai Ubisoft que je regrette. Mais oui, je suis un boomer d'Ubisoft. Revisiter les visiteurs, boîte à troubadour. C'est juste une boîte à réplique, c'est tout? Oh, la soundboard de l'époque, mais en mal foutu, au secours! Charger, supprimer, annuler, sauver. Ah là par contre, ils ont pas osé faire des jeux de mots là-dessus. Fesse, toyade. Sauvegarder. Rebonjour à toi, Anthony de quoi? Oh, merde, au secours. Oh, t'as raté une intro incroyable. Oh, la chevrette de Dame Pétroni et ses bons fromageons. Parlons-en, ces fromageons sont bien fadas. Ils sont bien fadas. Mais si je mets du fromage de... pourquoi il y a une fiole là? Ah, ça doit être pour les items. Ça, je sais pas. Ah, c'est vrai que la besace, on n'a pas regardé. Mission 1. Ah, c'est ça que je dois trouver? Je pense. Attends, mais c'est. Non, je sais pas. À côté de la radio, je viens de trouver un vieux couteau asiatique. Ah! Et nous, on a trouvé du Babybel là. Non, du coup, la besace, c'est les objectifs à trouver, c'est ça. Un ticket millionnaire de Grisoli, une montre en or, un jouet crocodile, du Bobby Bull, une boîte à meux, une sorcellerie, un couteau suisse, une Cadillac, une voiture. C'est des objets du futur qui sont perdus dans le passé. Oh, mais ta vue est bien au point, Anthony. Oui, c'est ça, quoi. Babybel, et si je mets du Babybel dessus? On peut pas? Ah non, c'est du Gravybel, excusez-moi. Non? Oh, la chevrette de Dame Pétroni et ses bons fromageons! Ah, c'est bon, fromageons! Les fromageons sont bien fadas! Waouh! Oh, la chevrette de Dame Pétroni et ses bons fromageons! Parlons-en, ces fromageons sont bien fadas! Ah, je peux le placer n'importe où, d'accord, ok, bon. J'ai cliqué là-dessus. Là, il y a un vase, des pommes. Je vise bien toute la table. Hein. J'ai très peur de passer à côté de quelque chose. J'espère qu'on va pas passer à côté de choses, surtout. Des magnifiques lignes de dialogue incroyables.
J'espère que le son est assez fort aussi, qu'on profite bien de cette absurdité. Cette anomalie temporelle, j'ai envie de dire. Bon, je suis d'accord, j'ai récupéré ça, et après. Et rien d'autre. J'ai cliqué où ? Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est le banquet pour festoyer. Là, on peut pas cliquer. Non. Oh, le jeu a l'air grand quand même, au secours. Je m'attendais pas à un truc comme ça, j'attendais vraiment à un point and click bien moche en 3D, c'est tout. Mais pas ça. On peut aller dans la tour. Oh, ça me donne envie de continuer les jeux Dracula sur Steam, là. Coucou Siri, Siri là. Franchement, c'est stylé. Bon, pour l'instant, ça va, c'est assez marrant. Mais j'ai peur de rencontrer un PNJ, en fait. J'ai peur qu'il me parle. Parce que t'as raté, bien sûr, l'introduction de Jean Reynon avec sa bouche qui parle comme ça et son menton qui bouge à chaque syllabe. Un truc incroyable. Comment ça va, Siri là? Est-ce que je peux aller là? Pas du tout. Il y a des petits bugs, mais je crois que c'est par rapport à l'émulation, ça. Je suis allé là, ouais. Je l'ai vu vite fait, mais j'étais à AFK. Y'a pas de soucis. Est-ce que je peux récupérer un truc? Un pichet de souhait? Non, pas du tout. Cyril, là, quoi? Ah, mais au secours! C'est ça la boîte à troubadour? Attendez. Contine générale. Optionnement. Ménestrel. Braille. Mirette. Galope. Dompter la mirette. Je sais pas c'est quoi la dompter la mirette. Est-ce qu'il y a des pros linguistiques médiévales? Est-ce qu'il y a des pros Age of Empire 3? 2, pardon. Oh lolo. Mais on va quand même pas se taper toutes les extraits du film. J'ai pété un plomb. De toute façon, comme dit GDG, quand il y a des extraits de films dans un jeu, c'est une valeur pas très sûre. Hein, Je crois qu'on va se perdre un petit peu et après on ira voir les solutions parce que je... Vraiment... Voilà, j'ai envie de dire pourquoi jouer à The Witcher 4 quand il y a ce jeu. Ouah. C'est un jeu d'horreur, ça y est ? Oh ta race! Ah! Ah! J'ai peur. Incroyable. Non mais c'est bon, arrêtez là. Putain, mais le jeu s'est transformé en jeu d'horreur d'un seul coup là. On peut rien prendre. Mais arrête. Oh, la sensibilité, au secours. Ah, la mirette. Je l'ai, la mirette. C'est ça. Optionnement, la mirette. Flâner. Et le ménestrel, je veux qu'il s'égosille. Optionnellement, c'est bon. Conditionner le... Attaquer le festoyade. Rabâcher l'expliquement. Non. Mais voilà, la mirette, du coup, c'est le mouse. C'est ça, c'est le... Mais il fait super noir!
Il est super sombre, c'est pas très bien français, mais... Ah par contre la musique qui reboucle à chaque fois qu'on change de pièce... Oh, mais c'est gigantesque, au secours! Ah, le fameux... La fameuse musique, c'est un petit peu hors sujet. Une chaise, ok. Ah non, c'est même pas hors sujet. C'est la musique qui s'arrête à un moment et qui reboucle. Là, mon fillot, tu m'époustoufles, moi. Pourquoi? Là, mon fillot, tu m'époustoufles, moi. Pourquoi je t'époustoufle, moi? Putain, on a juste récupéré un Krabby Bell. Oh. Et dire qu'il y a des gens qui étaient contents pour voir le retour de Monkey Island en version remaster et avoir la suite. Moi, je demande d'avoir un remaster de ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? 2193, ok, et du coup... Ok... Ok. Si je connais Fripou et on connaît Souhait... Mais c'est quoi? Pour savoir, il y a des jeux ou pas du Visiteur du Futur? Mais non, bien sûr que non. Pourquoi faire des jeux sur un bon truc alors qu'on peut faire ça? Non, non... A ma connaissance, en tout cas, il n'y en a pas. À moins qu'il y ait un jeu flash dans le coin, mais... Là, on peut pas y aller. Non. Ah si, il y a un truc là. Ben là oui. Mais ça va trop vite, je comprends rien. On devait chercher des trucs, et là on se retrouve à visiter un château. Pour ceux qui l'ont connu, ça me rappelle... Ah ouais, c'était par là, d'accord, ok. Pour ceux qui l'ont connu, il y avait un jeu Astérix et Obélix, avec plein de mini-jeux, et plein de documents. Et qui explique du coup la réalisation des personnages, etc. et tout. Et dedans, il y avait un mini-jeu où on pouvait visiter une maison de numéro bis. La maison de numéro bis, je croyais que c'était un jeu, le truc. Mais en fait, je me butais à visiter tout le temps la maison. Je sortais de la maison, je la revisitais. Alors que c'est en fait un truc genre, regardez, c'est une maison en 3D. C'est pas une vraie maison, c'est pas un vrai mini-jeu, c'est juste un truc, une visite en 3D. Mais moi, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était un mini-jeu. Parce que j'étais jeune et innocent. Donc du coup, mon père, il me regardait et j'étais quasiment tout le temps dans la maison de numéro bis, à rien faire, à marcher. Merci, reconsidère-moi les vassaux avant qu'ils ne se rebellassent. Je m'en vais te reconsidoir et les boursettes, ça ne va point très lasser. C'est incroyable quand même. On se retape l'animation? Incroyable. On peut zapper? Pas du tout, c'est incroyable. Là, mon fillot, tu m'es... J'ai rien dit. Donc du coup, c'est là d'où on vient. Ça me rappelle qu'il existe des jeux Fort Boyard. Hein. Mais je crois que Benzaï a déjà fait le jeu Point and Click Fort Boyard. Et ça me dégoûte un peu, je suis pas sûr. Ce que j'aurais bien aimé faire, mais je crois que je l'ai déjà vu. Ou alors je l'ai déjà oublié. Faut arrêter là. Il y a des tonneaux. Non. Franchement, et le budget de ce jeu, je suis très curieux. Parce que là, on prend un instant. 98. Je regarde juste un truc.
15 euros ça de production. Non. Voilà, en 98 on avait quoi? En 98 on avait... Ah, ça fait mal. En 98 on avait Half-Life, Legend of Zelda Ocarina of Time Master Edition, Resident Evil 2, Crash Bandicoot 3, Banjo & Kazooie, l'Unreal Engine sortait à peine, Fallout 2, Heart of Darkness, ça aussi c'est un jeu qu'on ne rejouera plus jamais sur cette chaîne, Medieval, Metal Gear Solid 1, Grim Fandango, Starcraft, Tomb Raider 3, j'ai envie de pleurer, Fallout 2 un des meilleurs, attends. Bust Groove, magnifique. Old World, Exode Day, ben oui. Turok 2, Need for Speed 3, Motor Racer 2, Alien Online. Alien Online, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Duke Nukem Time to Kill. Oh putain. Enfin bref, voilà, il y avait même Sonic Adventure. Pourquoi jouer à des jeux comme ça alors qu'on peut jouer à un classique du cinéma que petits et grands veulent jouer sur l'ordinateur du nom du visiteur? Les visiteurs, pardon, excusez-moi. Je suis vraiment très curieux sur le budget. Je restais dans la maison de Lara, mais ça c'était iconique, les maisons de Lara aussi. Non, ça me semble le budget des visiteurs 3, mais moi j'ai pas envie de savoir le budget pour les visiteurs 3. Mais c'est un jeu d'horreur, non ? C'est sombre, ou la boîte à troubadour ne marche point ? Tu as la... La fribouille. Mais j'ai toujours pas compris c'est quoi le scénario du jeu. Et là on est où? C'est un raccourci? La bras raccourci X. Allez, cinématique. Extrait d'un film. Non? Extrait d'un film? Ah, va falloir faire marchoir la comprolette, mon petit fillot. Non, non. Pourquoi? Oh mon dieu, ça fait du bruit. Oh non. C'est facile, problème temporaire avec les objets futuristes. Il n'y a pas de modifier l'avenir. Oui, ça j'ai compris. Mais comment ça se fait que Godefroy et Jacouille sont encore dans le passé, qui parlent à un mec qui est le descendant de Merlin et qui regarde à travers la boîte à troubadours, c'est-à-dire la télévision, notre petit filleul qui a voyagé dans le temps pour récupérer ses merdes. Je comprends pas. C'est ça que je veux comprendre. C'est comme si tu joues à Cyberpunk, tu rencontres Geralt, mais Geralt, pas à Cyberpunk, Geralt de The Witcher, vraiment avec son épée et tout, avec Ablette, tu vas le voir, tu lui fais, excuse-moi, tu peux obtenir mon arbre, mon fusil à pompe laser. Il y a un truc qui va pas. Oh oui. Ah. Attendez, faut... Oh non. Ah, je peux en mettre par-dessus aussi. Oh, l'enfer. Non. Oh. Gérald, il peut pas mourir. Gérald, il peut pas mourir de vieillesse, non? Oh là. Attends, j'utilisais déjà mon gros cerveau sur ce truc. Ah ouais, mais non. 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 Ah! Quand c'est bon, il y a un clic. Le jeu qui te backseat. Non. Non plus. Mais attends, mais je suis vraiment con ou comment ça se passe? Ça doit être là. Mais non, ça marche pas. Pourquoi il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas? Là-dedans non plus, là. Je comprends pas. Techniquement, aucun Witcher n'a vécu assez longtemps pour mourir de vieillesse. Traduction, bah ils meurent tous en fait, à cause d'un monstre. Je voudrais savoir pourquoi il y a des trucs que je ne peux pas bouger.
Oh, l'austérité de ce jeu, c'est incroyable. Non. Là, là. Mais non, là. Toujours pas. Ici. Mais non. Ah, oh, je crois savoir. Parce qu'il y a des trucs qui se mettent là. Ça va, je crois c'est. Commencez pas! C'est ça. Il y a des trucs qui se mettent. Oh, ça se superpose. Oh! J'adore ce son. Tu veux que je te l'envoie? Oh merde. Il y a des trucs qui se superposent. J'ai envie de canner. J'ai envie de Guillaume. Merde, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait là-haut du coup. Non? Là? Toujours pas. Celui-là? Mais je comprends pas pourquoi il y en a qui se mettent, il y en a qui se mettent pas. Mais non. Le C'est un plan est. plan de qualité, avec un Q majuscule. D'ailleurs, on n'a qu'à l'appeler le plan Q. De toute façon, on l'a fait à 3. Hein. Ah, on a qu'à appeler le plan 3, le plan A3? Non, toujours pas, non. Mathéo, fais comme si t'avais mal au bide. Oh, j'ai mal au bide! Non. Non plus. Oh putain, c'est bon. On avance. Oh! First try! Tu t'attendais à autre chose? Comment ça? Bah Mon c'est. fio, tu m'époustoufloies. C'est. Moi je me suis très. Je suis très satisfait, je m'attendais à ça en fait. Une saison du Visiteur, mais en version film. Mais c'est quoi cette ambiance de malade? Comment on est passé du banquet à trouver un baby bowl? Enfin le fromage là? Et on se retrouve à jouer dans Dark Souls en fait. J'ai l'impression de jouer à une X. Messire, votre fillon n'est point magicien. Laisse donc agir un esprit habile. J'ai l'impression de jouer à un DLC de Dracula 2. Le film était super. Ah, ok. Bien que je mancotte d'expérience, de rage, je m'emblotte. Je tremblote, non. C'est ça. Bien que je mancole d'expérience, de rage, je tremblote. Quand je fous 7 de peur, il m'arrive de siroter acidément. Couleurs et ingrédients ne font qu'un. Qui suis-je? Je sens, quand on me touche, je grandis et je sens la marée. Qui suis-je? Il y a des réponses sur les côtés. Au secours. Luc. Je suis vieux. Et on peut rien faire?